Bonjour. Étienne nous parlait de brouillard, vous confirmez, il est épais, il est dangereux? Il est très épais, on a une visibilité assez réduite. Ça, c'est surtout pour la partie Est. On a toujours la même situation météo, une situation météo calme, mais avec de l'humidité. Donc, c'est nuages bas, c'est brouillard, localement dense, notamment dans le Val-de-Saône. Toujours dans ce flux de sud, des entrées maritimes près de la Méditerranée qui remontent même jusqu'au sud de Lyon, avec beaucoup de grisailles et localement quelques pluies, mais très très faibles. Ailleurs, ce sera du soleil pour aujourd'hui, avant une dégradation nuageuse et faiblement pluvieuse à partir de ce soir sur la pointe bretonne. Et à l'avant de cette perturbation, du vent, le vent de secteur sud à sud-est qui va souffler, qui va s'accélérer. Cet après-midi, on aura des rafales très fortes sur une bonne partie du pays. 80 km/h par exemple sur le golfe du Lion, 100 km/h sur les crêtes pyrénéennes avec des températures toujours très contrastées. Là où le ciel est parfaitement dégagé, les températures sont un petit peu froides ce matin, entre moins 3 et 2 degrés. C'est nettement plus doux du côté de l'Atlantique, déjà 13 degrés à Brest et 18 degrés sur la côte basque. Une température qui n'évoluerait pas cet après-midi sur le sud-ouest. Ce sera un maximum de 18 degrés. On attend 12 degrés à Paris, 10 degrés à Lille, à tout à l'heure. On n'arrange rien. Oui, c'est une perturbation qui traverse le pays d'ouest en est. Elle est encore assez active ce matin. Donc localement, les pluies sont soutenues entre le nord, le bassin parisien, le centre, le massif central, jusqu'aux Pyrénées. Et sur l'ouest, c'est un ciel de traîne assez actif avec de nombreuses averses. Et là aussi, ces averses sont localement fortes ce matin, en particulier sur la Normandie. La perturbation se décale vers l'est cet après-midi. Elle va vraiment perdre son activité. Donc les pluies deviendront de plus en plus faibles et plus localisées. Et ensuite, eh bien, on va retrouver un temps plus sec cet après-midi, surtout du soleil sur la moitié ouest, avec un ciel qui restera quand même assez nuageux près de la Méditerranée et près des Pyrénées, avec des températures toujours très contrastées. C'est plus froid sur les régions de l'Est. Comme hier matin, nous avons quelques gelées et c'est toujours très doux sur l'Ouest, avec 9 degrés à Lille et Paris, 8 degrés à Brest. Cet après-midi, température encore au-dessus des normales de saison, 5 à 6 degrés, 12 à Paris, 8 à Strasbourg, jusqu'à 16 degrés à Nice et 17 encore. Ça tout à l'heure.